Madame, le prophète Jean Crasso bien-aimé, que nous acclamons ce soir, plus fort que ça. For your grace, nous te rendons la gloire. We give you all the glory. De nous bénir au travers du message. To bless us through the message. Merci. Thank you. C'est dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Que nous avons prié. That we prayed. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. And may God bless you. À la brigade anti-sorcier, c'est une brigade. You are here, the ministry of anti-witchcraft. Ici, nous combattons les œuvres de la sorcellerie. We are fighting the actions of the devil. Cette onction que Dieu nous a donnée. Of the Lord we receive from God. Détruire les œuvres de la sorcellerie. To destroy the witchcraft actions. Vous devez aussi comprendre que c'est une œuvre spirituelle. You have to understand that it's a spiritual action. Et que le prophète que vous voyez est un être humain. That the spiritual here, that the prophet c'est here, comme, is a human dans une being. Clinique, it's not like in the clinic. L'infirmier assis, like where the nurse. Moi, je suis un homme spirituel. I'm a spiritual man. Je suis un prophète. I'm a prophet. Donc je suis l'onction. So I'm following the anointing. Ce que Dieu me demande de faire, c'est ce que je fais. I do what God wants me to vous do. Vous êtes tous ici par la grâce de Dieu. Dieu vous apportera des lettres. All here, you are all here by the grace of God. Vendredi dernier, je vous ai dit ici que ce n'est pas une question de Crasso, mais c'est Dieu qui est présent et qui guérit. Last Friday, I told you that it's not a matter of Crasso. Amen. Amen. Je viens de finir un programme, vous le savez très bien. I just come to finish the program. Généralement, les gens, quand ils sont assis, ils savent pas que se tenir debout est fatigant. People do not know that. Ils ne savent pas. When we stand is donc quand souvent on dit on est fatigué, ils pensent qu'on est fatigué. Sometimes saying that we are tired. Oh, Dieu lui-même a travaillé, il est fatigué. Dieu qui n'est pas si fatigué là, il s'est fatigué pendant 6 jours. God has worked too much. Amen. Amen. L'esprit de Dieu dans le corps humain. The spirit of God. Oh, le corps a besoin des choses telles que le repos. That the et si le corps ne se repose pas, l'onction ne sera pas au rendez-vous. If we don't rest, we cannot have an onction. Ce soir, je vous parlais. Je vais vous donner des secrets. Tonight, I'm going to give qu'est-ce sont les choses que le diable, la sorcière, les sorciers utilisent what pour vous détruire. Je vais the devil used to destroy you. Je vais commencer à ouvrir vos yeux sur beaucoup de choses. Just to open your eyes. Amen. 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 Vous avez besoin de cette information. You need this information. Ici, nous informons les gens, nous leur donnons les enseignements. We are giving information. Nous les amenons à comprendre beaucoup de choses. Some teaching. So that we amen. Can understand. Amen. Oh, l'enseignement fait du bien. Nous ne parlons que de ça. Our teaching can do good. Ici, c'est le dévoilement. Nous dévoilons les œuvres du diable. Here, we are giving. Voilà, nous dévoilons les œuvres du diable. We are revealing all the et nous apportons beaucoup de choses à certaines personnes. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Comme c'est un culte que les gens suivent dans le monde entier, as je confirme that, notre arrivée au Maroc la semaine suivante. Précisément, à partir du 9, nous démarrons une retraite spirituelle à Rabat. For a spiritual retreat in Rabat. Du 9 from the 9th au 19. Till the 19th. Donc, par la grâce de Dieu, nous serons de retour ici en Côte d'Ivoire à partir du 20, 21. By the grace of God, we'll be back here in Côte d'Ivoire. Afin de pousser encore le travail ici. On the 20th. Amen. Continue amen. The jusqu'en mi-août. Till. Je vais m'absenter pour un mois. Of August, je ne dirai pas quand je serai dans le pays où Dieu est. I'll be missing là, for one month. Je m'abstiens même de ne pas trop parler. Tout est déjà fait prêt. Nous allons nous absenter pour un mois à partir de mi-août, le 15 août. Je m'absente pour un mois parce que je m'avais secoué un peu l'extérieur. J'ai une croisade à l'extérieur. Quand je serai là-bas, quand les temps seront proches, quand je descends de l'avion, je vais commencer à annoncer que je suis au pays. Je suis là. Je suis dans tel pays pour la croisade. Voilà, donc nous avons eu trop d'attaques quand on annonce des événements à l'extérieur. We receive so many attacks. Amen, sans le diable nous attaque. Amen. Amen. Vous savez, ce n'est pas n'importe qui Dieu appelle. You know, God cannot call. Quand Dieu appelait David, il était un vaurien. Mais Dieu a mis en lui une onction. God gave to David an ointment. Dieu est venu mettre en lui l'onction. He gave him an ointment. Il est devenu un homme oint. And he became an ointment. C'est ce qui le différenciait des autres. Or, quand on n'est plus comme les autres, that's why it was different on est une personne mise à part.
N1, quand tu as affaire à lui, tu as affaire à Dieu. C'était le problème entre Aaron et Marie. You have problem with God. Ils se sont plaints parce que Moïse allait épouser une femme éthiopienne. En tant que Moïse avait donné une loi qu'on ne devait pas épouser une femme étrangère. Or, il avait Séphora comme femme. Donc, il dit, non, ce n'est pas possible. Toi, tu nous donnes une loi et toi-même, tu ne respectes pas cette loi. Or, avant la loi, il avait déjà cette femme. In the former times, la fille de Jéthro. The daughter of Jéthro. C'était une fille éthiopienne parce que c'était mendiant. Mendiant aujourd'hui, c'est éthiopien. An Ethiopian girl. Ils se sont plaints. Or, ce qu'ils oubliaient, ils n'étaient pas la même chose. They were not the same. Mm. Souvent, on n'est pas la même chose. C'est ce qu'il dit aux gens. That's what I used to say. Quand vous vous attaquez un oint, Dieu vous frappe. When you il oublie de vous frapper man, parce qu'il a bien réfléchi pour l'appeler. Il n'est pas comme vous. It's not like you. Quand dès qu'ils se sont plaints, Dieu a commencé à les frapper. When et surtout, il a envoyé une lettre. God gave them bizarrement, dans les églises, il y a des gens comme ça. Ils sont là toujours pour attaquer les pasteurs et les hommes de Dieu. Dans les églises, il y a des ministères. Il y a des ministères comme ça. Il y a des gens, eux, leur spécialité dans le ministère, c'est venir critiquer les gens, venir les attaquer. And some over to criticize people. Amen. Amen. C'est leur travail, c'est de Judas. That's the job. Amen. Donc, un point, il n'est pas comme les autres. Il est un homme mis à part. Ce n'est pas moi qui ai voulu être prophète. Je n'ai jamais rêvé à ça. Jamais rêvé que je vais être chrétien. Never. Parce que je suis issu d'une famille musulmane. Because I come from a Muslim family. C'est pas moi. It's not me. Si on me disait auparavant, pendant qu'il y a peut-être 10 ans, 15, 10 ans, que j'allais un jour être prophète, vous allez vous mentir. If people told me in the past that parce qu'avant, je n'aimais pas pas d'église. Quand pas d'église, je passe même pas là-bas. Ça ne m'intéressait même pas. Was not really interested in jusqu'à ce que Dieu se révèle à moi quand j'étais en France. Till et que Dieu m'appelle à son ministère. To me. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui ai voulu. I didn't want it. C'est Dieu qui m'a appelé à ce service. God wants me to do it. Je le sais parce qu'il m'a appelé à ça. I know it. Amen. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Amen. Je vais vous donner un peu de secret. Parce qu'il y a certainement, vous ne maîtrisez pas certaines choses. Donc le diable use de cette manque de connaissance pour vous avoir. The devil can use. Nous prenons la parole de Dieu. Let's take the God word. Allons-y dans la parole de Dieu. Nous prenons deux rois, un roi plutôt. Qu'est-ce qu'on avait vu tout à l'heure? Non, ce n'est pas chapitre 17. Ok. Un roi, 3, le verset 17. Je vais revenir encore sur le verset, mais je vais faire sortir certains éléments. Amen. Amen. Ça vous va? Amen. Amen. Nous venons de consacrer un village. Voilà. On vient de finir. Mais le village, consacrer le village. C'est pas facile. C'est le boulot, le travail le plus difficile de la planète Terre. Vous allez voir des gens prier, guérison, les chasser, démons de sorcellerie. Un sorcier est là, puis tu le délivres. Si tu n'es pas honte, tu ne peux pas faire ça. Même les fétichés vont pas, il ne peut pas faire. Il ne peut pas le faire. Parce que c'est le démon le plus terrible. Il ne sort pas comme ça. Il n'obéit pas à n'importe qui. Amen. Mais ici, en 5 minutes, en 10 minutes, nous délivrons les sorciers. We are able to deliver. Nous les délivrons. On les désactive. Pour les plus qu'ils mangent demain. So that we can no more kill people. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 1 Roi, le chapitre 3. Le verset 17. Écoutez-moi très bien. Verse 17. L'une des femmes dit. The one woman said. Pardon, mon Seigneur. Please, my Lord. Moi et cette femme. Woman and I. Nous demeurions dans la même maison. Nous demeurions dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle. And I gave birth while she was dans la maison. In the house. Trois jours après.
Then, on the first cette femme a aussi accouché. After I gave birth, nous habitons ensemble. This woman also gave aucun birth. Étranger n'était avec nous dans la maison. We're together. There was no one else with il n'y avait que nous deux. Only the two of us. Le fils de cette femme est mort then pendant la nuit. Son died in the night. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Because she lay on him. Elle s'est levée au milieu de la nuit. She got up in the middle of the night. A pris mon fils à mes côtés. And took my son from beside. Tandis que ta servante dormait. While your servant slept. Comment une femme dort quand elle avait changé son enfant? Et elle l'a couché dans son sein. She laid him on her breast. Et son fils qui était mort. And let her dead son. Elle l'a couché dans mon sein. At my breast. Le matin. When I rose in the morning, je me suis levé pour allaiter mon fils. To nurse my son. Et voici, I saw that il était mort. He was dead. Je l'ai regardé attentivement le matin. But when I looked at him closely, et voici, clearly, ce n'était pas mon fils que j'ai enfanté. It was not the son I had born. L'autre femme dit, but the other woman said, alléluia. Amen. Je vais faire sortir l'aspect trahison. La trahison. What I'd like to show here is betrayal. Dis à quelqu'un la trahison. C'est une ambition. The power of the sorcier. Les sorciers, vous voyez, les gens bien trahir les gens. You know that sorcerers like betraying people. J'ai l'habitude de parler de ce passage, mais je vais faire sortir l'aspect trahison. Vous allez comprendre. Regardez dans ce passage. The au moment où le roi Salomon prenait le trône d'Israël. When son père était déjà mort, the king, il allait sur le mont Moria, il a fini les sacrifices, les holocaustes. Dieu venait de l'établir comme roi. To be quand il a reçu deux femmes au palais, king, les deux femmes sont montées au palais parce qu'elles avaient un problème sérieux. On dit amen. 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 Elles avaient un problème très sérieux. But the two women ça a commencé entre les deux à la maison. Elles ont parlé jusqu'à... L'autre a dit non, si ça reste entre vous deux... One another. Amen. Amen. Si c'est bouge de sorcier, tu ne m'en pas ça. Si ces paroles sont les meilleures, c'est des grands menteurs. They are great liars. Si ces paroles, tu ne peux pas être sorcier. You cannot win. Souvent, ça dépasse les gens de voir les sorciers faire des aveux. That's parce que sorcier, c'est un menteur. Ce qui en lui, c'est l'esprit du mensonge. Il ne dit pas la vérité. They don't tell the truth. Quand vous constatez déjà qu'à la maison, when you notice un enfant at all, commence à ne plus dire la vérité, commencez déjà à prier pour lui. Not oui. Start praying for him. Commencez déjà à prier pour lui. Start praying for him. Quand vous voyez que dans une relation, il n'y a plus de vérité, commencez déjà à vous méfier. No more truth. Les deux femmes vivaient sur le même toit. The two women live in the same house. Et puis il y a eu un problème. And a problem broke out. Regardez, ce qui est dans cette histoire, what is happening, c'est qu'il y a une qui a été trahie. That someone has been betrayed. Il y a une d'entre elles qui a été trahie. One of them have been betrayed. Les deux, c'est une qui a invité sa camarade. Quand tu n'as pas de maison, viens vivre avec moi. One of the women invited her. Le jour où la dame partait se plaindre près du roi, elle dit cette femme, elle n'a pas dit son nom, hein. Du coup, elle dit, day, cette femme, complain. Elle venait de connaître l'identité de la dame en question, elle ne la maîtrisait pas. C'est ça que je vous dis aujourd'hui. Si vous voulez vivre avec une personne, maîtrisez la personne. Amen. Amen. You have to master that person. First. Elle ne connaissait pas la personne, mais sa gentillesse kindness. A fait qu'elle a dit, viens. Comme tu n'as pas de toi, tu as des problèmes. Je vais t'aider. C'est dans aider là, elle a mangé son totem. Faites attention, frère. Pay attention, brothers. Faites attention, frère. Be careful. Faites très attention. Be careful. Pour vous lier une personne, faut la maîtriser. You have to master someone before. Elle dit cette femme, nous demeurions ensemble. Ça dit qu'ils partageaient tout ensemble. Tout se faisait ensemble. Dis à quelqu'un ensemble. Ensemble. Vous comprenez? Ça dit qu'il y a. Say to your neighbor, together. Sa confidente. C'est ce que j'avais dit. Amen. Amen. La femme était sa confidente. She wrote her confidence.
Alléluia. Amen. Si vous avez une personne, et puis elle sait tout de vous, vous ne savez rien d'elle, commencez à avoir peur. And you know, you start being afraid. Oui. Il y a des personnes, ils veulent tous savoir sur vous. Some people here, mais ils ne veulent pas que tu saches des choses sur eux. Like to know everything from you, but nothing about them. Ils veulent pas. Au moment où tu avais une information, ils ne veulent pas tout expliquer. Ils rentrent là, un truc de coq à l'âne, ils rentrent. Comment ça te méfie? You have to pay attention. Amen. Amen. Parce que si tu as des informations sur moi, moi je dois tout savoir sur toi. D'où tu es quitté, ce que tu fais, je dois tout savoir. Or, si je ne te maîtrise pas, c'est toi qui vas me maîtriser. Amen. Amen. Elle ne maîtrisait pas la dame. Or, quand tu ne maîtrises pas une affaire, c'est la chose que tu maîtrises. Nous demeurions ensemble. Ils partageaient tout ensemble. Or, le cœur de cette femme était mauvaise. Elle avait un mauvais cœur. That woman was wicked. La femme ne l'a jamais aimé. Oui. Le résultat s'est sorti. Vous allez tout faire. La vérité finit par triompher sur le mensonge. Amen. Tu vas être dans le faux, ça va sortir un jour. Amen. The truth will come one day. Amen. Amen. C'est sorti au grand jour. Or, une personne qui est avec toi, someone who lives et qui s'élève pour aller donner une information de toi à quelqu'un que tu apprends, c'est pas toi de cette personne. Oui. Parce qu'il y a des gens qui sont tout font semblant de vous aimer. Ils font semblant de vous aimer, mais dans le but de vous détruire. Vous avez une relation, elle vient garder cette relation. Amen. Faites très attention. Moi, chaque jour que Dieu fait, mes yeux s'ouvrent. Je commence à faire attention. Amen. Chez moi, ce n'est pas n'importe qui vient chez moi. Tu es au portail, tu te demandes, tu dis, mais si tu travailles, le prophète Grasso, il dit, sors. Je n'ai pas l'idée de moi ici. Non, non, chez moi, c'est chez moi. Mon lieu de travail, c'est ici. Parce que je suis devenu très prudent. On peut perdre la vie une fraction de seconde. Or, celui qui rentre dans mon intimité, celui qui peut m'avoir. Ne laissez pas les gens rentrer comme ça chez vous. Dans votre... Elle a fait entrer la femme chez elle parce qu'elle était trop gentille. La femme souffrait. Faut que je l'envoie chez moi pour l'aider. C'est aider là. Elle a gâté. Vous allez les remarquer. Ils vont sûrement plus réserver. Son passé, cacher ça. C'est qu'elle fait, elle va cacher. Elle a quelque chose, elle cache. C'est pour toi de savoir. J'ai une relation, va passer derrière pour dire méfie-toi de lui. Hein. Oh, vous êtes ensemble. Si on doit se méfier de toi, là, ton temps, tu es parti. S'il n'était pas bon, tu t'es déjà parti. Tu fais quoi avec la personne? Quand elle sait que tu es avec une personne qui est bien ou qui est en train d'avancer cette personne, elle approche cette personne pour détruire ton relation. Amen. Amen. La trahison. Le diable, les sorciers, vous voyez, c'est des grands traits, c'est des gens qui trahissent facilement. Tu vas lui faire du bien demain, s'il a envie de te manger, il va lui manger. Il ne va pas tenir compte, il s'en fiche. C'est des ingrats. Quand vous voyez, vous aidez une personne qui ne reconnaît pas ça. Vous apportez de l'aide à la personne. Oh, et nous demeurions ensemble. We used to live together. Et il y a eu un problème. And the problem came up. Le seul problème, c'est que c'est la dame. The only problem was that qui est venue vivre sur le toit de sa camarade. The other woman came to live. C'est elle qui a eu le problème. Elle a commencé à détruire sa camarade. And she's now starting destroying her. Parce qu'il n'y avait pas de bonnes choses en elle. Because she was bad. Amen. Amen. Elle va prendre son problème, donner à sa camarade. Faites très attention. Problem.
Elle va récupérer la bénédiction de sa camarade. Et les gens par ignorance ont mis, ont envoyé les camarades chez eux à la maison. Et puis du coup, la camarade est devenue le mari, la femme est sortie. Amen. Ah, c'est comme ça. Amen. Qui est fou? Si je ne gère pas, maman est venue le gérer. Amen. Elle le dit seulement. Avec qui toi tu marches? Who are you working? Tu vis avec qui? Oh, une personne qui reçoit une information de toi. When someone receives an information, qui marche avec toi. L'élément qui doit animer cette personne, c'est l'amour. Or, si une personne t'aime, qu'elle apprend des choses de toi, elle doit t'informer. It should really be about. C'est pour ça que j'aime bien les blancs. Un blanc, quand tu as mal parlé de quelqu'un, il vient, il dit, lui là a dit que tu es comme ça. Informe you. Non, mais, les blancs comme ça. Il se base pas si on dit. Oh, nous on est spécialisé dans on dit. Non, blanc, lui. Non, blanc, il se base jamais si on dit. Le jour où tu parles mal de quelqu'un, il le prend. Il dit, Jean a dit que tu es comme ça. Non, mais tu dis, je t'ai dit secret. Et je veux tout. Pas secret. Or, nous on aime se baser si on dit. Puis il ne dit pas, hein, mais je t'informe quand même. Il faut être prudent. Hein. Or, la personne marche à lui. Tu l'as trouvé. La personne t'a trouvé avec cette personne. Si elle était mauvaise, tu étais déjà parti. Ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Open your eyes, please. Amen. Amen. Si vous êtes, vous vivez une personne, if you live with someone, ce que vous devez manifester, c'est l'amour. What you have to demonstrate, si vous avez une information sur une personne, quand vous dites des choses sur une personne, venez partager ça à la personne. Come and share it. Vous devez dire à la personne, voici ce qu'il a pris, voici ce que l'autre personne dit de toi. This is what has been said about you. Amen. Amen. Voici ce qu'on dit de toi. This is what has been said about you. Amen. Amen. Quand vous marchez avec une personne, que la personne ne fait pas ça, que vous apprenez des choses, séparez-vous de cette personne, ce n'est pas une bonne personne. Ce n'est pas une bonne personne. You have to go away. You have to go fast. Il y a des choses que vous voyez, vous banalisez. Oh, c'est votre ennemi là. La femme était mauvaise. The woman was wicked. Elle était très mauvaise. Really? On l'a cueillie sur toi. Le jour où il y a eu le problème, au lieu de dire à sa camarade, the voici mon problème, broke out, elle a détruit, elle a voulu détruire la vie de sa camarade. Elle a fait le drop. Elle va changer le bébé mort. Prends le bébé de sa camarade vivant et puis change le bébé. Of the friend. C'est méchant. It's wicked. C'est méchant. Really wicked. Oh, l'autre, elle est en train de dormir. Elle a ronflé jusqu'à. L'autre s'est réveillé. Comme elle a l'habitude de se réveiller la nuit, comme les sorciers. Eux, ils ne dorment pas, ils appellent les soubala. C'est la nuit de travail. Like sorcerers, like witches. Pendant tout le temps, tu dors. Don't sleep at night. Lui se lève la nuit. Il vient faire son travail. When sleeping, they come and do their job. Ah, ma camarade là-bas s'est mariée. Ok. That. Ah, demain, elle va avoir l'argent. La nuit se lève, il garde. Tomorrow, she'll get married. Elle s'est levée la nuit, elle a dit, ok. Elle constate que son bébé est mort. Elle a fait le troc, elle a changé l'enfant. She noticed that her baby was dying. Je t'ai envoyé un problème. And then she came. Elle prend le bébé, elle met dans le sein de l'autre. To nurse the baby. Si tu ne maîtrises pas celui qui est à côté de toi, c'est ton if problème. You don't master, the one you live with. Celui qui est à côté. Amen. C'est le problème. By your side, you have to pay. Tu veux marier une femme, il faut la maîtriser. Sinon, like to get married, c'est le problème que tu as eu. You have to pay attention. Généralement, on ne maîtrise pas. Il faut envoyer un envoyé. Et puis, c'est braise, feu, tout se gâte. Tu veux maîtriser, envoyer un homme, il faut le maîtriser. If sinon, you want to be with c'est le problème. Man, you have to master tu as eu. Amen. Amen. Nous vivions sur le même toit. Nous vivions, cette femme et moi, nous vivions sur le même toit. Ce n'est pas ailleurs, le même toit. C'est pour ça que généralement, quand tu veux bénir les gens, il dit sors de la maison de tes pères. C'est pour ça qu'il dit que l'homme quittera. Et les endroits, Dieu ne les bénit jamais.
faut partir. Pourquoi les gens vont se chercher et puis ça marche, ça marche souvent? Ça goûte la sorcellerie parce qu'ils disparaissent, ils se séparent de beaucoup de choses et puis commencent à construire une vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faites très attention. Be careful. Amen. Amen. Il y a trop de Judas. Too many Judas. Il y a trop de mauvaises personnes. Too many bad persons. Alléluia. Amen. Vous marchez avec une personne, il faut être convaincu que cette personne est spirituelle. Elle est vraiment spirituelle. Elle a la crainte de Dieu. Amen. 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 Et qu'elle a ton amour dans son cœur. Quand elle apprend des choses de toi, elle te partage cette chose. Pour dire, fais attention. Amen. Amen. Une personne qui garde, qui cherche à avoir des vilaines choses de toi, qui cherche à se séparer de cette personne. Ce n'est pas un ami. Pour pas d'ami, c'est qui est team. Amen. Amen. Les femmes, pendant que les gens, les disciples, les hommes, avaient abandonné Jésus, où est-ce que Jésus était mort? The disciples, c'était fini. Abandoned Jesus. Les femmes sont restées fidèles à Jésus. The women stayed with Jesus. Elles sont allées au tombeau. C'est là qu'elles ont eu la bonne nouvelle. Amen. Tu es dans les difficultés. La personne qui vient te soutenir, c'est ton bon ami. The one who comes to support you, your good friend. Oui, parce que la vie est faite de haut et de bas. Because life is better than worse. Or, d'autres disons qu'on savait qu'il allait tomber un jour, on savait que ça n'allait pas aller un jour, on savait. Moi, je savais que ça n'allait pas un jour, je savais qu'il n'allait pas aller loin. Il y a des gens qui sont là. Eux, toute leur ambition, c'est de voir tomber demain. Toutes leurs ambitions, que ton ministère se gâte. Tout ce qu'ils pensent, je sais toi. Mais leur, ils ont une pensée de la sorcellerie. Ils ont ce qu'on appelle la pensée négative de toi. Eux, ils veulent que ça se gâte. Et puis, ils vont venir dire, moi, ils savaient. Mais qu'est-ce que tu as fait quand ils savaient? Tu as fait quoi pour ne pas les arriver? Quand on sait quelque chose, on prie pour ne pas que la chose arrive. Sorcier, diable, bougnon. Mais je savais. Tu savais. Tu t'as laissé venir la chose. Tu es un sorcier. Or, quand on sait quelque chose, se met la brèche. Parce qu'on aime la personne. On n'aimerait pas que la chose arrive à la personne. Les femmes n'ont pas laissé le corps de Jésus. Une personne dans les difficultés qui ne vous lâche pas, qui apprend des choses, qui ne vous lâche pas, qui vous soutient. Si vous remarquez ça, cette femme, cet homme, et cette personne à laquelle vous devez vous attacher. Amen. C'est ça que les anges sont révélés aux femmes. Vous dites pourquoi vous cherchez vous celui qui est vivant parmi les morts. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Alléluia. Amen. Vous avez plein de personnes comme ça chez vous à la maison. Too many persons in your houses. Plein de concepts comme personnes qu'on a dans vos services. À la recherche d'une information. Ils veulent vous détruire. Parce qu'ils savent que vous êtes en train de prospérer. Parce qu'ils savent que vous avez une relation. Ça ne les arrange pas, ils veulent vous détruire. Amen. Ils veulent vous détruire. Si vous voyez une personne qui dit, moi, je sais que je vais gâter. Il y a des gens qui disent ça. Je vais gâter. Tu n'es plus un moi. Faut te chercher, tu n'as pas besoin de gâter. Amen. Il y a des gens, quand tu commences à les laisser, là, si ça ne marche pas dans une relation, on ne sait pas. Ce n'est pas forcé de se mettre ensemble. Ça ne va pas. Apprenez à dire non quand il s'agit de non. Et c'est ça le problème. Les gens font avec. Non, ce n'est pas bon. Quand vous regardez que ça ne va pas, ça ne peut pas t'arranger dans le futur, il faut te séparer de ça. Tu dis non, je vais faire quand même. C'est ce qui va te détruire demain. Dieu t'aurait déjà averti. Maintenant, il t'a déjà averti. God has warned you. Amen. Amen. Or, si tu veux te séparer de cette personne, parce qu'il n'y a rien qui vous lie, mais tu sais que ça ne va pas,
qu'on ne va pas avancer, que la personne dit je vais gâter, the relation doesn't work. La personne t'a jamais possédé dans le cœur. Elle est avec toi par rapport à un intérêt. Elle doit comprendre que si ça ne va pas entre vous, vous pouvez rester des amis. Ou bien, vous pouvez laisser les frères, on n'a pas besoin de vivre ensemble. Non, j'ai gâté. C'est ton sorcier. No. You're gonna destroy. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Commencez à faire très attention tout le monde. Amen. Oh, amen. You have to pay attention. Moi, chaque jour que Dieu fait, j'apprends beaucoup de choses. Every day. Amen. Amen. Faites très attention. Ils viennent parce qu'ils ont un objectif à atteindre dans votre vie. They just. Le jour que Dieu vous ouvre les yeux, que vous comprenez, il commence à se révolter. C'est le premier à se révolter. Amen. Ayez du discernement. Je vois par moments l'amour qu'on a souvent nous aveugle. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Une personne qui doit, avec laquelle tu dois vivre, elle doit toujours t'encourager. Elle a une information négative de toi. Elle doit te partager ça. Negative information about you, si tu ne vois pas ça en elle, if you don't see that, c'est pas toi. If you don't notice that, alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est Judas qui a reçu une information. Vous devriez dire à Jésus, comme il avait un intérêt, il a livré Jésus. Or, la personne mieux éduquée pour ta voix, c'est celle qui peut s'attacher à toi. Près de toi. Vous savez que Dieu ouvre vos yeux. That's why I want God to open your eyes so that you can pay attention. Comprendre que ce n'est pas n'importe qui on vit. And understand that. Non. Ce n'est pas tout le monde qui va venir sur votre toit. Not everybody have to come in your house. Amen. Alléluia. Amen. Si tu t'es trompé, c'est ton problème, tu as gagné ça. If you don't pay attention, you're going to be. Quand il y a eu difficulté, elle a lâché sa camarade. Quand il va avoir un problème, la personne va te lâcher vite, vite. Quand il y a eu problème de mort, elle t'a lâché. Elle a lâché sa camarade. When there was a problem, parce que ce n'était pas sincère. Elle n'a jamais possédé dans son cœur. Sa fille, son enfant est mort, elle a changé. Elle a changé de visage. Il y a eu problème, elle a changé. Elle n'a plus reconnu sa camarade. Ils ont commencé à discuter. Parole, bouche de sorcier, tu ne mourrais pas sa frère. Ils ont parlé jusqu'à pendant une semaine. Elle dit, bouche de Suzanne, tu ne mourrais pas ça. Je vais monter à Jérusalem. Amen. Alléluia. Amen. On ne va pas rester ici. Elle va prendre mon bébé. Elle a observé le bébé. Elle a réagi. She looked at the baby. Suzanne, pardon.